Salut les loustics, c'est Van Axel et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes que je ne connais pas ou des nouveaux morceaux d'artistes que je connais déjà et ce majoritairement grâce à vos suggestions. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu et balayer tous les styles musicaux, ça peut aller du jazz en passant par la musique électronique, le death metal, le hip hop, ce que vous voulez. Je trouve qu'il y a du bon partout, on essaie de rester objectif et on partage des belles découvertes entre nous. Aujourd'hui, on attaque un morceau qui m'a été recommandé par plusieurs personnes, c'est Urgence Musicale, qui est un morceau on va dire qui a été lancé par Doskawa pendant le premier confinement, donc en mars 2020, ça commence à dater, et sur lequel on retrouve Greenfinch à la prod, on retrouve du La Vodka, demi-portion, donc une belle Dream Team, donc un gros morceau de 8 minutes 30, donc on va écouter ça ensemble, on se met le clip, ils ont fait un petit clip qui doit probablement être quelque chose qui est filmé chacun un peu chez eux, et ensuite on prendra les paroles s'il y a des choses que j'ai pas comprises, et on reviendra dessus, on se remettra le morceau. Allez, c'est parti, Urgence Musicale, donc à l'initiative de Doskawa avec une bonne grosse Dream Team. C'est parti! Donc Greenfinch à la prod. Hey, il y a de l'île, je savais pas. Autopsie post-mortem, je veux une petite Go-Go Dance, mais que pas Dr. Swift God. House, mais que pas Orson Welles. C'est pas une guerre, c'est un problème qui nous dépasse. J'ai une toux grasse et le nez bouché, c'est peut-être un gros rhume. C'est pas un mètre, c'est un fossé qui nous sépare. Plus qu'un fossé, moi je dirais plutôt que c'est une fosse commune. Leurs commentaires, c'est cool, peut-être le clip aussi. Des effets secondaires. Si la télé me dit comment faire, moi je vais faire le contraire. Tous les regards me tirent dessus et cette galère me pomplaire. Et puis comme ça, le fils de pute, il sera fier de son père. Nous sommes en guerre des styles, nous sommes dans le pire scénar. Plutôt une guerre civile, je crois qu'on en a pris le départ. Une troisième guerre mondiale, je tombe dans cette cuisine. Pour l'humain, il se fait tard, la mort se cache dans le pesticide. Je suis dans ma grotte, j'ai la tête creuse et je prends une trop grosse cuite. Mal à la gorge, je vois caverneuse et je deviens trop glodite. Après enfants claudites, je cultive ce fat body. Virus est uploadé, à 20h je t'applaudis. Le système B ça veut dire la débrouille, la débrouille. Restez chez vous, nous cassez pas les couilles. Pas les couilles, pas tes PQ voleurs de paquets de couilles. Ça les répugne l'odeur de ma dépouille. Hommage aux soldats abattus car y'en a plein qui sont morts. Je deviens un cordon bleu et j'ai déjà gratté 28 sommets. Je crois que dame nature se venge et qu'on endurcit les mesures. On finira entre quatre planches et je me sens subir ces murs. Pour les soigner, il suffit pas qu'ils avalent un vaccin. C'est plus qu'un simple freestyle, un simple freestyle, on voit. Y'a qui pour nous guider un être humain de type germophobe. Je crois qu'on a tout niqué, même printemps, été, hiver, automne. La tension baisse, la fièvre remonte, c'est peut-être qu'une affaire de vent. J'ai déjà connu l'enfermement, chez moi c'est l'enfer dedans. Le buzz est plus que viral, sort de ma veine saillante. Leur aide est plus que vital, merci aux aides soignantes. Gros coupé Swift. Ah, y'a plusieurs beatmakers aussi, cool. Kiffe quand il y a des grosses crashes à l'ancienne comme ça. Sans poil et sans pas, à faire des tranchées dans le parquet. Une grosse voix, je connais pas lui. Juste la femme, il est rempart. Conscient qu'on évolue dans un monde bien loin d'être parfait. Rien ne sert de se cacher derrière des remparts. J'accepte pas cette logique de santé rentable. Il prendrait du cash pour jouer de l'orgue à ton enterrement. C'est plus la peine de s'ajouter. Petite basse qui vont mis derrière. Sentimental. Votre hypocrisie me dégoûte tellement. On a affaire à une belle bande de confinés. Ils mettent des amendes à des sans-abri, leur temps de se confiner. Je crois qu'on atteint le point de nos retours. C'est très très con. Je vois des chiffres négatifs défiler sur le compte à rebours. Le temps presse, donc plus rien ne me tempère. Y'a comme un avis de tempête. Et la colombe a pris la poudre des scampettes, putain. Du mal à nous imaginer à N plus 1. La frontière est fine de Laurent Fabius à Agnès Buzyn. La mort frappe à chaque étage et toutes les strates. Ouais, grosse effort sur le clip aussi. La chute sera violente. Qui est plus simple, qui est plus compliqué. Un simple, on va dire, fait à l'arrache confiné quoi. Et quelques effets cool. Y a pas de dispense de l'athéo musulman, du juif au catho pratiquant, de cette garde pour les talismans aux réfugiés du Pakistan. J'envoie toutes ces pensées, ma force aux premières lignes, au corps médical, aux familles des victimes. Il ne faut pas que toutes ces pertes ne fassent que partie d'un listing, car mourir pour sauver les vies, ça mérite toute notre estime. On sait bien qu'ils font de leur mieux, dans des conditions déplorables, la rage aux yeux. Quand le cri ne trouve pas d'oreille, leur cœur va vers les cieux. Mais on la croit d'aller insane. Ceux qui se prennent pour Dieu. Nano. Ah, Nano, il est à Wuhan. Je
je rappe à la demande générale, déconfiné. Allez. Le service d'urgence musicale, c'est de l'oxygène, mon pot et tout. Mon fils de 6 ans sur la moto, agrippé à mon dos. Éviter les barrages, c'est comme un dédale, c'est pieds n'atteignent même pas les pédales. Le soignant garant de nos vies, les frères et sœurs qui sont au logis. Avec mon titre honorifique de rappeur en pneumologie. Il paraît que c'est la détresse pour mettre des masques au personnel qui va vous soigner, mais pas pour fournir au CRS des lacrymos, des LBD. Je veux bien ne pas critiquer les lacunes de l'état-providence et le manque de moyens mis dans la santé, dans les respirateurs d'urgence. Macron, garde ta morale à toi, car y a pas eu de mort sous ton toit. Quand je vois le salaire des soignants, faudrait peut-être faire un moratoire. À ta prochaine de choc vitaux, viens te faire soigner en disgrâce. Car tous les hôpitaux de France ne ressemblent pas au Val de Grâce. Car vous n'êtes que des populistes omnubilés par leur carrière. N'oubliez jamais que le salaire d'être soignante, c'est entre 1003 et 1004 toute ta vie. Leur blason dans le bras, au-delà des antibiotiques, c'est pas la folie. Hein. On a nos masques de braquage qu'on prête à ceux qu'on en a besoin. On a de l'alcool, mais pas tellement sur les mains. Une bande de délinquants morbides venus faire craquer le Covid. Parce qu'avec un stylo bic, on fait une traque au chromie. J'ai l'habitude des gyrophares, mais c'est plus les mêmes sirènes. La seule fièvre qu'on vit quelque part devrait être celle d'NTN. La souffrance aux soins est immense. J'ai pas vu de député mourir dans les couloirs sur un brancard des urgences. Il y a urgence et yeah. Peut-être que l'irradiation des villes et la radiothérapie de la nature pour soigner un cancer hostile, faut que l'humain apprentissage. Parce qu'il s'est quand même mouché dans ses mains, quoi. Et lorsque l'humain disparaît, reviennent les loups de Tchernobyl. Il y a des beaux posters aussi. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. J'écris dans l'ombre. Ah, la vodka. J'envoie ce lot de mort, on va percer la foule. On rampe le brassage des plus démunis. Oh, ce qu'il fait là. C'est qui Nyarkana? On bientôt autour d'une taille en faisant des grosses bringues. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver le bonheur dans des choses simples. Angoisse en petite surdose, l'ennemi est invisible. Les gens comprennent très bien ce qu'ils risquent depuis que le monde s'est mis sur pause. Mouvement de panique en grande surface car se joue notre vécu. Mais que tous ces égoïstes se momifient dans la roue de PQ. On était prêts, moi j'y crois pas. Des masses, on rentre dans une sale face. Hélas, la preuve, nos hôpitaux vous ont dit pas les masses. Dites-moi ce qu'il reste en France dès que les sirènes s'enclenchent. Dites-moi si je crève, dites-moi si je rêve qu'on n'était pas si prêts pour une si belle sentence. Ça fait quoi de se retrouver face à sa pire? Encore une fois, trop fort, c'est pas le virus, mais la bêtise de l'homme qui nous a pris en grippe. Nos vrais héros demandent à se faire entendre. Personnel médical qui lutte jour et nuit pour que la merde s'éloigne. Merci à ceux qui restent au front malgré la fièvre ambiante. Et dites aux inconscients qu'il y a pire prison que d'être chez toi. Quand la bactérie joue de la batterie. Allez. Wow. J'entends des cris, des mots. Oh là là, la dégaine. Je dois filer, mon fils finit sa poterie. Laisse-moi le temps de respirer. J'ai la vie dans la poitrine. D'où sera la médecine? Perso, c'est toujours ce petit flow un peu nonchalant, tu vois. Aussi fuck les aristocrates. Oui, la richesse est coupable. Cousin, je rappe en urgence. Vu que l'action est remarquable. Donne la force aux grands-parents. N'oublie pas la maman. Avant que les larmes coulent sur le bord d'un diaporama. Fini l'époque Nirvana. Maria, Marijuana. Allez, donne-moi une scène. On fera des sauts à Serge Lama. Lancement n'a rien de banal. Rouya, tous la roi. Bien sûr, j'ai de l'espoir, même si le virus roule la roi. Oui, la prod full fire et tout le monde full fire. Bien sûr, j'ai de l'espoir, même si le virus roule la roi. Ouais, d'Avodka qui. Ils aiment pas les masques. C'est aussi une. C'est un mouvement pour protéger l'hôpital public, bah les masques. Ouh, petit changement de mood là. Petit MPC, le classique de Shakai. Oh, très chill l'instru là. Ça c'est déjà fini, c'est passé vite. 8 minutes 30, ouais, c'était urgence musicale, donc grosse Dream Team sur le morceau. On va pas prendre les paroles parce qu'il n'y a pas eu de truc obscur. Il y a juste un moment où d'Avodka qui parlait de balai masque, qui était aussi un slogan et un collectif pour protéger l'hôpital public. Parce que l'hôpital public en France, c'est la merde dans le sens où il y a de moins en moins de moyens, et malgré des demandes qui augmentent, et on va dire des besoins, on va dire, médicaux qui augmentent.
Et puis ouais, il parlait aussi des salaires des personnels médicaux, salaire d'être soignant, choses comme ça, c'est toujours assez bas. Hein. Ils sont à entre 1003 et 1004 toute leur vie, tu vois, même quand t'as de l'ancienneté quasiment, donc c'est pas, tu vois, tu le fais pas pour l'argent en fait, tu le fais par passion entre guillemets, mais la passion ça paye pas le loyer. Et puis bon, quand tu mets pas ta vie, enfin dans un contexte Covid, tu vois, tu vas pas aller mettre ta vie en jeu pour 1300 balles par mois, enfin tu quoi. Après le morceau lui-même il était, ouais, monstrueux au niveau de la prod, monstrueux au niveau de tous les flows. Il y a 2-3 mecs que je connaissais pas dedans, très très cool. C'est Saligo je crois aussi, le mec qui fait des prods avec des gros scratchs. Je connaissais pas, j'aime beaucoup ce qu'il vient faire avec les voix, avec les scratchs et tout. Ça donne une bonne cassure dans le morceau et je trouve ça fort. Et puis ouais, non, globalement le morceau il est hyper solide, tu vois, une belle équipe. Et ils ont pas fait, tu vois qu'ils ont pas fait genre, ah vas-y viens me lâcher un petit couplet vite fait. Enfin, y a un gros travail derrière et je trouve qu'il est assez cohérent, tu vois, même les flows, y a pas... Enfin, y a demi-portions qui sonnent très différents mais ils l'ont mis à la fin aussi, tu vois. Mais tous les flows je trouve que s'enchaînent bien, y a pas trop de cassures rythmiques où y a pas de moment où tu dis ah le flow ça s'enchaîne mal entre deux flows, je trouve que tout est bien fait. Et même y a un travail relativement cool sur le clip parce que c'est plus qu'un simple face caméra, tu vois, y a 2-3 petits trucs, 2-3 petits plans, des petits ajouts, choses comme ça. Donc gros morceau, cool, merci d'avoir suggéré, franchement c'était un super morceau. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et puis ouais, moi en tout cas je trouve le morceau très très solide, content d'avoir écouté ça, donc encore une fois merci à vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les Oustiques.